constructeur. Quand il activera le gardien, nous frapperons Sonayen. Contactons Palmer. Ok, bien yo les amis, c'est Neko, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Halo 5 Guardians. Oula, j'ai oublié le S. Oh mon dieu. Et du coup, on a récupéré le constructeur dans l'épisode précédent et on va devoir aller activer le gardien qui est, je ne sais pas trop où. Spartan, le constructeur semble fonctionner comme prévu, mais ça risque de prendre du temps. Palmer vous cherchait. Ok, donc on va aller parler à Palmer qui se trouve ici avec notre copain l'arbiteur. Tout est en place. Nous commencerons quand le constructeur sera prêt. Putain, ils sont tellement grands. Le calibrage pourrait prendre des jours. Commandant, mission accomplie. Le docteur Alcée a le constructeur. Bien joué, Osiris. Une fois qu'Alcée se sera occupé du constructeur, les troupes de l'arbiteur attaqueront Sonayon et je pourrai l'évacuer de cette planète. Ok, ça marche. Du coup, il faut que j'aille parler à Alcée. Qui est devant moi, je sais, t'inquiète pas pour ça. Osiris, alors, Alcée, qu'est-ce que tu nous veux ? Je me sers de cette structure pour transférer l'enregistrement de Meridian sur le constructeur. Tenez-vous prêt à partir à mon signal. On vous attend, docteur. Détendez-vous. Il pourrait se passer des heures avant. Autant pour moi. Il se dirige vers Sonayon. Il va rejoindre le gardien. Arbiteur, c'est le moment. Ouais, c'est toi qui vas te détendre, Alcée. Tu te calmes. Aujourd'hui, les Covenants vont tomber. Sangelios sera libre. Vous savez ce que j'ai fait pour créer les Spartans. Tout ça au nom de l'intérêt général. Docteur, on n'a pas le temps. Cortana est conçue comme une réplique de mon propre esprit. Le domaine lui confère un véritable pouvoir. Je comprends. Spartan Locke ! Arrêtez-la. Mais s'il vous plaît, ramenez-moi John, je vous en prie. Osiris, en formation. Tout le monde est prêt? En fait, Tanaka, si ça te dérange pas, tu veux bien dire quelques mots? On en a fait du chemin. Et c'est pas fini. Alors on fonce, comme d'habitude. Et on accomplit notre mission. 90 secondes avant insertion. Et Buck, il payera sa tournée quand on sera rentré. Si on s'en sort, je suis prêt à t'acheter le bar tout entier. Équipe Osiris. On a le feu vert. Ils arrivent. Ok, alors là, là c'était classe là. Là c'était super classe. Voilà la première défense antiaérienne. Oh bah parfait. Allez, petit couteau dans la tronche. Ah donc là c'est, on arrive en pleine guerre civile je crois. Putain, deuxième assassinat, mais que se passe-t-il? La voie est libre. N'empêche, on est d'accord, Buck doit nous payer un bar si... si on veut, on y arrive. Vous trouverez d'autres défenses anti-aériennes en chemin. On va les détruire au fur et à mesure. Bonne chance, Spartan. Vous aussi, Arbiter. Putain, je sais pas qu'il a la classe. Aujourd'hui, nous détruisons Sonayon et avec elle, l'Alliance Covenant. À moi, frère. Allez, ah, moi aussi, je vais faire ça. On a du chemin à parcourir. Yeah. En route. Pff, bâtard. Pourquoi on n'a pas le droit de s'amuser, nous? Ok, du coup, je dois aller là-bas. Nickel. Vous, vous allez vous calmer tout de suite, là. On se détend. Comment on sait si le plan du docteur AC a fonctionné et si le constructeur a fait son boulot? Le gardien se mettra en mouvement. Il faudra qu'on soit à côté pour monter à bord à ce moment-là.
L'âme de Sanghelios, à tous les vaisseaux en rapport. Avant en position. Onslaught en position. Révolution en position. À tous les vaisseaux. Concentrez vos tirs sur les forces aériennes provenantes. Envoyez-les par le pont. Jouez une batterie anti-aérienne. Oh. Détruisez-la. Il faut sécuriser le ciel pour les lames de... L'arbiteur arrive. Neutralisez les défenses anti-aériennes pour l'aider. Mais c'est tellement classe. Oh la vache. Bon alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller où? Ok, faut que j'explose la tourelle. Mais eux, ils vont nous faire chier. Donc on va l'exploser avant la tourelle. Moi j'explose tout, moi. Je vais pas chercher midi à 14h. On va tout exploser. Hein? Vous êtes d'accord? Oui, t'es d'accord, toi, je le sais. Le problème, c'est que j'ai pas forcément les... Oh! Oh! Merde, j'ai raté. Ouais, bah ça marche pas à chaque coup, hein. Mais genre, même ça, ça rebondit. Est-ce que je dois l'exploser comme ça, par contre? Je suis pas sûr de lui faire le moindre décolle, du coup, on va taper dessus. Ouais, parce que j'aime bien taper sur les objets, comme ça. Allez. Ah bah c'était ça. Putain, j'ai de la force, hein. Canon et HS. Spartan Locke aux lames de Sanghelios. Les défenses anti-aériennes sont HS. Bien sûr, on envoie des renforts aériens. En route, on a encore du boulot devant nous. Oula. Ah, j'ai encore plus de balles de BR, fais chier. Et j'ai plus d'armure. Ok, du coup, je dois aller où? Je vais prendre de la hauteur. Un rapace me tire dessus. Allez, dégage. Toi aussi. C'est par là, ok. Putain, mais c'est le bordel, c'est génial. Genre, nous on arrive comme ça en pleine guerre et tout. En même temps, on la cause aussi un petit peu la guerre, mais bon. Ça, faut pas le dire. Moi pas mourir s'il vous plaît. Oh. Ah merde, je crois que c'était des fusils aigus, pas aigus, des carabines de convenance, voilà. Ah oui, d'ailleurs j'ai vu que dans la dernière mise à jour ils rajoutaient les fusils aigus, ce qui n'est pas mal. Et il y a la forge aussi qui est sortie. Je sais pas si je vous referai une petite vidéo dessus, mais j'ai bien envie. Du coup je vais voir ça. Peut-être que je vous ferai une vidéo dessus. Surtout qu'on a pas mal de gens qui aiment Minecraft sur cette chaîne. Donc la forge est un petit peu le compromis entre Halo et Minecraft, hein, au final. C'est la construction, la créativité et tout dans Halo. Et j'ai vu un mec qui avait fait une map sur... Donc qu'est-ce que tu fais, toi? Sur la forge de Halo 5, il avait réussi à refaire une map Minecraft. Parce que du coup ça peut se faire sous forme de cube aussi dans la forge. Et vu qu'on peut... customiser la couleur, le mec a réussi à recréer totalement une map Minecraft en faisant le haut des blocs vert et le bas marron, ce qui faisait les blocs basiques de Minecraft. Il a réussi à refaire des arbres et tout, c'était super stylé. J'étais assez étonné. Du coup, je vous ferai peut-être une vidéo sur la forge. Voilà, ça peut peut-être plaire à pas mal de monde. Et ça peut aussi peut-être donner envie à certaines personnes, pourquoi pas, d'acheter le jeu, hein, on sait jamais. J'ai pas mal de personnes qui m'ont demandé aussi mon gamer tag, qui m'ont demandé si je comptais jouer avec mes abonnés. Alors oui, totalement. Je vais totalement... Enfin, j'accède totalement à cette requête. Hein. Ça serait même génial de pouvoir jouer avec ceux qui me regardent. Ça me ferait super plaisir. Du coup, on organisera peut-être des mini-jeux. Je sais pas combien de temps ça durera. Je sais pas quand je vais faire ça. Il faut qu'il y ait un minimum de monde qui soit partant. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que oui, je pense jouer avec vous. Pour ceux qui ont envie en tout cas de jouer avec moi, ça pourrait être fun. Du coup, je vais voir pour organiser ça de mon côté. Et je vais essayer de pas mourir aussi, ça pourrait être pas mal, je pense. Pas comme dans le dernier épisode, lol. Ah, l'attaque! Ah oui, faut que je pète les tourelles, c'est vrai. Putain, on a généralement l'impression de taper sur une boîte de conserve, quoi. Splat. 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 Allez! Attendez, merde. Boum!
Ah ok, la corvette là elle est avec nous je crois en fait. En fait tout ça c'est avec nous. Bon attends, je suis perdu là. Oula, qui est avec nous qui n'est pas... What? Qui est avec nous qui n'est pas avec nous? Putain, si on a tous ça derrière notre cul, ça fait bizarre. Non, ça c'est l'Alliance Covenant en fait. On n'est pas dans la merde. Canon détruit. Ennemi en approche, à la porte. Putain, le temps de réaction. Eh Locke, t'as du mal. Hein. On a détruit un autre canon. Oh, une épée. Oh, je prends l'épée de toute façon, j'ai presque plus de balles. Ah, oh, c'est ma spécialité, t'inquiète pas. Pas d'esprit mal placé, s'il vous plaît. Ah, il y a une élite. Ah, mon élite. J'ai récupéré un truc il y a pas longtemps. Voilà, c'était pas mal, je trouve. Ils sont... Bon, allez, l'équipe, on avance. Point de contrôle, nickel. Le constructeur aurait pu s'orienter en plein chaos. Dans le cas contraire, va falloir trouver une autre solution. Ok, il y en a trois. Déposez-les vite. Notre transport va partir sans nous. Un canon en moins. Encore deux. Ok, je vais tous les niquer en deux. Deuxième canon détruit. Plus qu'un. Bon, on va faire un truc, c'est que vous allez vous occuper, vous, des... Ah! Ok, non, le rush n'est pas une bonne idée. Merde, j'ai plus de balles. Merde, j'ai plus d'armes. Autant appuyer pour l'épée. Hein. Pas touche à mes canons, il est sérieux. J'adore les grenières, putain. Ah, au pire, ouais. Il est où le canon? Oh pire, c'est ça que je vais faire. Je vais revenir en arrière, comme ça je pourrais atteindre le canon d'ici. C'était lequel? Là-bas, quelque part là-bas. Il est ici. Alors est-ce que je le touche? Nickel. Dernier canon détruit. Bien joué Spartan. Arbiteur, tous les canons au sol sont HS. Mes troupes arrivent pour sécuriser votre position. Putain, les canons ils sont moins solides que la tourelle quoi. Tu te fous de ma gueule? Bien sûr, arbiteur. Osiris, sécurisez la zone pour que l'arbiteur puisse atterrir. Mais putain, mais. Allez! Parfait. Putain, vraiment, il va falloir que je trouve de nouvelles armes. Putain, en plus, c'est pas. Ah oui, si, c'est vrai que je peux viser aussi avec cette arme. Ah, du coup, il y a plus de la musique épique là. C'est quoi ce blanc? C'est encore trop dangereux. Dégagez la zone d'atterrissage, Osiris. Ah, il y a plus de balles dans celui-là. Ah, je peux pas mettre deux headshots. Ça tue pas en un coup. Ah, bah voilà, c'est ça que je veux. Puis on va prendre ça aussi. Ils sont où? Ah non, c'est bon, je rigole. Y'a un mec là? Continuez la chasse, Osiris. Oh! En 3 piques, on l'a tué. Ok, faut juste qu'on extermine ce qui reste, je pense. On a eu point de contrôle. Ils sont où les derniers? Oh! Oh, c'est trop classe. Il est trop classe, le gardien! Vous croyez qu'on pourrait faire un jump? Ah oh bah c'est bon, il y a des escaliers. Maki, rebonjour. Les défenses anti-aériennes protègent la zone qui vous sépare du gardien. Il y en a trop, je vous y emmène. Vous devez passer par un autre endroit. Il y a un moyen d'entrer dans la ville souterraine de Sonayon, près de votre position. Ça vous donnera un accès direct au gardien. Merci. Oh, on a des alliés, trop bien. Osiris, Maki dit qu'il y a un accès souterrain. Trouvez-le. Ah, pour le coup, j'ai de la chance, je suis arrivé pile poil devant le tableau de commande quoi. Ah, faut descendre. Ok. Je m'attendais pas à descendre, ça me fait trop bizarre. En position. Bon. On descend où là? On va pas aller sous l'eau là, enfin sous la terre, sous les structures. Je peux pas sauter.
Non, je peux pas. Bon, vous voulez pas faire la discute? À mon signal. C'est parti. En position. C'est con, il y a un mur. Oh la vache. C'est à ça que ça ressemble une putain de ville covenante quoi. Putain, mais c'est trop classe. Ils ont de l'imagination comme chez 343 Industries. Je dois l'avouer. Contrairement aux maps multi hein, que j'ai remarqué qu'il y a 2-3 trucs qui aimaient donc. Nous n'allons pas parler de ça maintenant. Si on le rate, il reste plus qu'à espérer que le Major arrive à empêcher Cortana de faire plus de dégâts. Fini de parler, on y va alors. Putain, mais c'est trop classe. C'est de l'eau ça par contre. Putain, on dirait du pétrole. Ok, je dois aller là-bas. Voilà, j'ai trouvé tellement classe. Un accès direct au gardien. Mais n'oubliez pas, les lames de Sanghelios ne sont plus là pour occuper les troupes. Ce qui compte, c'est d'atteindre le gardien à temps. Oh putain, autant chez nous on meurt à cause du code de la route, qui je suis sûr il meurt à cause des routes quoi. Putain, il y a tellement de trous. Eh, hey, tu crois que tu vas m'avoir? Eh non, vengeance pour tout ce que tu m'as fait. Kamikaze de mes deux. T'as pas une arme par contre? Ça serait cool. Ah merci. On va prendre de la hauteur. Bah oui, son Ion il est perdu, on va le démonter. Ah oh, ça j'ai gardé balles de Needler, ça c'est pas mal. C'était où? C'était là-bas, ok. On est sur la bonne voie. L'aide à la visée qui des fois il fait de la merde quand même un petit peu. Wow. Je veux pas mourir à Sanayan, je veux pas mourir tout court. Ils me font délirer ces grognards, putain. Je suis content qu'ils reparlent français quand même. Dans Halo Reach, ils parlaient plus français. Dans Halo 4, je ne sais plus. Il me semble qu'ils parlaient français. Mais ils disaient moins de conneries, hein. C'est vraiment des abrutis, les grognards, quand même. Oh! Oh, je sais pas si vous avez vu où je l'ai collé, mais le pauvre. Rip les bijoux de famille, quoi. Encore trop loin, vite. Eh, reviens. Mais reviens. Tiens, pour la peine, ce ne sera que plus douloureux. Aïe. Je suis caché. Oh putain, mes coéquipiers qui l'emmerdent un petit peu. Non mais c'est un vrai parcours du combattant quoi. Imaginez, vous habitez là-dedans. Ce serait le bordel. Oh, tu me diras pour le suicide, c'est pratique. Oh le bâtard! J'aurais pas dû me venger. Et surtout, Tanaka te presse pas, hein. Franchement. Là, tu viens m'aider en marchant, quoi. Putain. J'ai aussi peu de valeur à tes yeux. Boum. On se calme. Ah bah enfin. Ah non, je veux le Needler, je veux garder le Needler quand même. Je suis coto. J'ai pas vu un truc passer. Haha. T'arrives pas à monter. Non. Oh putain, mais il faut super. Faut faire super gaffe ici. Putain. C'est trop le bordel. Ok, il y a une tourelle en face. Ok, on va les tuer, on va essayer de péter la tour à l'eau de l'heure. Ça ne marche pas très bien. Bon, on va le faire à l'ancienne. Oh, on reprend des balles. Ouais, cette armure, espèce de lâche. C'est moi que t'appelles lâche. Je me fais insulter de lâche par un grognard, c'est une blague. C'est une putain de blague. Ah vache, le manque de respect dans ce jeu, mon dieu. Ok, faut que j'aille là-bas. Il y a des munitions ici. Des munitions de merde, super.
des Prométhéens. On fera attention à vous. Comment je fais pour entrer là-dedans? Ah, je peux pas, ok, dommage. Le constructeur a fait son boulot. Autrement dit, le gardien va bientôt se réveiller. On bouge, Osiris. Oh, le gardien, il va se réveiller. Trop bien. Ça va être un moment épique, ça, par contre, à mon avis. Mais arrêtez de vous sauver. Bande de faibles. Regarde, c'est même pas visé. Putain, moi j'arrive pas à le finir. Sonayon tombera dans mes mains, je vous l'ai dit. Je serai le nouveau maître du monde. Le mec il part totalement en couille, quoi. Ok, bon ça va, on s'en sort bien pour l'instant. On a failli mourir qu'une seule fois, je tiens à le préciser. Il y a un putain de sniper. Il est où? Oh là, calmé. Il doit être un grognard qui m'emmerde, ouais. Ah, dès qu'il y a une grenade, on fait pas le fier, hein. Ouh. J'adore les grenades collantes. Pareil, en multi, c'est le truc qui... qui fait rager, qui fait rager. Parce que tu vois la grenade arriver dans ta gueule comme ça, et tu vois que tu vas mourir, mais tu peux rien faire. Donc tu meurs comme une merde. Voilà. Je vous explique pourquoi je rage sur ce jeu des fois. Mais on a tous ragé à cause des grenades collantes, je suis sûr. C'est obligé, c'est la base. Là t'as le galère avec un putain de rapace. Mais c'est quoi, c'est une honte. Moi je défonce les rapaces. Ok, ok. M'approche pas. Ah, c'est con, hein. Non. Putain, il me saoule les kamikazes par contre. Mais ce qu'on leur met, c'est violent. Ouais, j'aurais pu tenter le saut pour passer directement à l'autre plateforme, mais j'ai tellement pas confiance en moi depuis l'épisode précédent. Ok, là pas par contre on a deux putains de chasseurs, ça c'est la merde. Ok, on va leur dire de concentrer leur tir dessus. Non, merde, je me suis trompé de touche. Ok, on va essayer de le faire venir vers nous pour qu'il tire dans son dos. Il ne prendra que plus cher. De toute façon, là, il ne doit pas pouvoir m'atteindre beaucoup. Putain, j'ai plus de balles, fais chier. Et si je saute sur sa tête comme ça? Mauvaise idée. Oh, oh non, mais non! Oh la vache, j'avais oublié que c'était super violent. Oh putain, merci Buck. Oh, Buck le ninja. Buck est un ninja. Il nous a caché des talents. Ah, il y a un plasma coaster. Ah, par contre, ça c'est cool. Regardez lui là, ce petit bâtard. Oh, il y a les deux. Tu l'as entendu, elle? Là, t'as fait. J'ai tué un chasseur. Attends, tu te fous de ma gueule, non? T'as la meuf, aucun respect. Eh, T-Bug, moi je dis. T-Bug. Ah, vous venez T-Bugger. T'as Night Nurse sera avec moi dans ce let's play. Mon dieu, le nombre de T-Bug qui arrive. Tout le monde dans l'ascenseur. Allez, on monte. Après être descendu, on va remonter. Parce qu'on aime bien faire des trucs qui ne servent à rien. Ah, quoi que si, on devait détruire les canons, je n'ai rien dit. Ah, la sale gueule. Ah, mais ok, en fait, on lui a explosé. Oh, genre, what? On pourrait, mais on peut pas. On va l'intérieur de sa tête là ou quoi? Rejoindre le major est notre priorité. C'est quoi ça en fait? Je crois que c'est l'intérieur de sa tête. Non, sa tête elle est là. Ah, c'est l'intérieur de son armure.
What the fuck? Oh, c'est la sculpture qu'on avait vue dans le temple. On a raté la fête, on dirait. Oh, laissez-le moi. Ah, ce coup de pied au cul. Ok, le champ de bataille. Pas le casser lui. Non, dommage. Wow. C'est tellement triste en même temps. Ça me fait mal au cœur. Mais tire sur qui là? Il y a quelqu'un? Il est mort. Il est mort. Pourquoi il est encore rouge? Ah, il est pas mort. What? Ok, vive le bug. Non. Il est où? Pas assez. Plus vite, Osiris. Ah, il est pas encore réveillé, ok. Faut pas activer ça. Non, dommage. Qu'on se dépêche. Là, dans l'océan, le gardien se réveille. Arbiteur, le gardien est ici. Ouah, je me rappelle, je l'ai vu dans le trailer. Énorme. Ah, c'est trop bien, ça va partir en jump tout là. Ouah, ouah, on passe où? Faut pas passer là, ok. Ah! Oh putain, j'ai tellement chaud! C'est le bordel! Faut que j'aille où? Là-bas! Ah la vache! Oh, c'est tellement épique! Quoi à droite? Putain, c'est le bordel! Oh mon dieu, c'est tellement stylé. Je peux passer là? Oui. Oula. C'est quoi ça? C'était quoi ça? Des remparts. Eh, tu meurs. On doit faire vite. Dépêchez-vous, on n'aura pas le temps de rejoindre le machin. Ah oui, il faut qu'on retrouve John en plus, parce que sinon lui il va faire une connerie monumentale, je le sens. Je sens que ça pue. Arbiteur. Non. Ah merde. Oh putain, je suis con. Oh, j'ai eu peur. Oh, j'allais taper l'arbitre, je crois que c'était le nom, je crois qu'il était sur la tête. On a presque atteint le gardien. Ils peuvent plus nous arrêter. Ah, du coup, on va aider l'arbitre. Jusqu'au dernier. Dégagez un passage. Montez à bord du gardien avant qu'il parte. Oh, je veux l'assassiner. Oh non. Reviens là. Merci. On continue, Osé. Le gardien n'est plus très loin. Putain, il est défoncé avec son épée. Oh le bâtard. Mais c'est quoi ces ninjas là? Eh, je veux pas dire hein, mais on est toujours pas mort. Cette violence. Tout ce qui compte, c'est que le gardien soit encore là. Il est pas trop tard. Mais putain, mais. Oh la vache! Il faut que je fasse gaffe, hein, j'ai pas envie de mourir. Mon armure ne répond plus! Ça va aller, Locke. Ah, Val, t'es super, merci. Par contre, toi, tu me saoules là. Non, mais arrêtez, mais laissez-moi tranquille! Mais ils sont super violents comparé à d'habitude, j'ai l'impression. Non mais... Toi tu laisses Val tranquille. C'est... un bordel monstre. Wow. On va essayer... Excusez-moi si je parle pas beaucoup là pour le coup, je me concentre parce que c'est tellement de bordel que... j'ai pas envie de tout recommencer quoi. Surtout que c'est tellement clair, j'aimerais bien qu'on fasse tout d'un coup, histoire d'avoir
le goût de la première fois tout au long de l'épisode. Je pars en couille, je dis n'importe quoi. Comment j'ai fait pour monter là en fait? Oh, la grenade, elle a merdé. On spawn, on va aller sniper d'ici. Enfin, les sniper avec une mitraille, c'est un peu bizarre, mais bon. Je suis le veilleur éternel. Encore ? Mon rôle est de défendre Cortana. Encore vous ? Ah, c'est exactement ce que j'ai dit. On discute pas de ça plus tard. Abattez-le, Osiris. Je peux le coller. Oh le bah, oh, le... Tu vas rien purifier du tout, mon gars. C'est moi qui vais te purifier. Je vais te purifier l'anus. Lol. Excusez-moi. Putain, j'ai pas réussi à... J'ai pas envie qu'il me défonce comme il m'a déjà défoncé. Oh, je l'ai collé. Et j'ai plus de balles, merde, fais chier. Sur ce monde forteresse, loin des rayons éclatants de sa puissance. Tu vas voir ce qui est plus puissant, mon gars. En plus, là, je suis bien au cœur, il peut rien faire. Par contre, j'ai trop vite mes balles, c'est la merde. Le meilleur d'abord. Feu à volonté, Osiris. Vous êtes de vils barbares. Savez-vous à quoi vous vous opposez? À la promesse de paix et de prospérité. Mais tais-toi, ivrogne. Ah merde, j'ai pas attaqué le bon. Il est où? Ah, j'avais pas vu, il est là. Bon, ouais, les amis, désolé, il y a eu une petite coupure, ce n'est rien. Il y a eu un petit problème avec la connexion. Ce qui fait que, oui, pour jouer au jeu, on a besoin d'être connecté, donc ça fait un peu de la merde. On l'a tué! Alors, par contre, franchement, un truc super agréable dans le jeu, je vous expliquerai après. Je me suis pris un vent par le jeu, désolé. Le gardien part sans nous. Il y a sûrement moyen de... Osiris, bougez-vous le cul. Je suis en route, vous avez intérêt à être prêt à partir. Vite. On est à bord. On s'accroche. Ouvrez les yeux, Doc. Vous êtes en train de louper le meilleur. Ça va, y a pas le feu. Doc, ne vous plantez pas. À votre signal, commandant. Maintenant. C'est bon. Terminez-les. Aujourd'hui, la flamme Covenant va s'éteindre pour toujours.